me share with you the terrible wonders I have come to know. Yay. On est de retour pour plus de Darkest Dungeon. Donc on a ça qui est en train de se passer au frais dans les tunnels. Donc on va en profiter pour faire un boss. Alors la récompense c'est un peu de la merde. On avait vu la dernière fois c'était ça, on l'a déjà. Donc c'est pas vraiment très très intéressant. Mais voilà, on a des dégâts en plus et puis ça va nous monter de niveau. Donc ils vont tous passer sûrement en 5. Peut-être que même lui, je sais pas. Non, en tout cas il passera 4 c'est sûr. Donc du coup ça sera plus ou moins intéressant. C'est cool. On va équiper nos gens, on va partir très vite. Alors, ça c'est bien. On va partir très vite, normalement. Change d'étourdir encore un peu ou pas? On verra. Là on a des dégâts de mêlée, c'est pas intéressant pour nous. Qu'est-ce qu'on a? On a... dégâts critiques. Alors qu'est-ce qu'on a après en légendaire? Enfin en légendaire haut niveau. Précision et crit. Un peu moins d'esquive, mais précision et crit. Là on a des dégâts. On a un truc encore mieux. Précision et dégâts. Ouais, à la limite, ça sera lui qui prendra ça. Arrêtez de parler, je vois rien. Donc, dégâts et précision. Parce que précision, il en a besoin. Et après, on a ça. Critique et dégâts. Donc ouais, ça va faire mal. Lui, il a un peu de précision. Il a juste précision 10. Lui, il a précision bah, 5. Dégâts. Ouais, mais après, il sera buffé tout ça. Ça va, ça va, ça va. Toi. Toi, t'as déjà ça. C'est chiant, mais on va devoir faire avec. Donc esquive ça. Voilà. Protection PV esquive. Très bien. Le docteur, je sais pas quoi lui mettre. Ça c'est quoi ça? Ça c'est pour infliger du saignement et faire des dégâts en mêlée. Protection stress. Vitesse et esquive. Vitesse et esquive peut-être. Alors par contre j'avais vu c'est ça. Donc dégâts 20 et vitesse 2. Vitesse 3 pardon. Donc c'est le premier niveau. Donc je pense que ça peut être pas mal de le mettre sur quelqu'un aussi, mais. Mais bon. Le problème c'est ouais les tours. Ouais. Non mais ça va, on est bien comme ça. Et on est un peu bloqué avec ça pour le moment, parce qu'on n'a pas trop de. À distance, on n'a pas grand chose. Critique 13. Ouais, les dégâts sont très bons. Hein. On est très bon. Très bien, comme ça, je pense. On va faire un boss de toute façon. On va surtout rusher le boss, évidemment. Let's go. Giant Dad qui va nous. Oh, pardon. Nor could I rid myself of it easily, possessed as it was by unnameable things from outer spheres.
when excavations beneath the manor broke through into an ancient network of aqueducts and tunnels, I knew I had found a solution to the problem of disposal. Ooh. Donc il a balancé tout plein de tas de chair en fait sous le manoir et tout, c'est pour ça que ça a créé cette truc bizarre. The thing is more terrible than I can describe. An incoherent jumble of organ, sinew and bone. Ah, bah la prochaine fois tu fais pas ça quoi. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Alors voyons voir comment on se débrouille. Ici. Très bon dégât. ...70% de résiste. Eh, ça passe. On va faire ça, parce que de toute façon il est marqué, donc il a une chance de se faire toucher. Non, ça, il était plus marqué. J'allais dire, il y a deux personnes marquées et le machin, il attaque autre chose, quoi. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Non, par contre... juste les habilités de lui, là. Ah, très bien, toi. Let's go. Yes, repérage en plein milieu en plus. Cool. Oh, parfait. Du coup, on va aller là. Puis on va s'arrêter là, on va camper. Et après, on fera haut et bas. Ouais, ça sera nickel. Touche pas les livres, les mecs. On lit pas, on sait pas lire. Et après, on pourra faire le reste si ça se passe bien. Ah, je pourrais en attraper un et le... Et le one-shot. Ouh, c'est pas mal ça. Bien, 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 bien. Bam. Destroyed. Nickel. Ah, c'est pratique hein, le fait d'attraper les cibles et tout ça des fois. Il t'a mis devant. Ah, c'est un enfoiré, hein, il t'a mis devant. J'ai envie de tester encore le... Parce qu'il est quand même très élevé en étourdissement.
vindicated. Putain. Faire comme ça. Comme ça, il peut plus faire son attaque s'il y a personne devant lui. Enfin, et encore, je sais pas vraiment combien de place il doit avoir. Est-ce qu'il doit être en position 3-4 ou en 2, ça passe. Enfin, quoi qu'il, vu qu'il compte sur pour 2, peut-être qu'il est toujours en fait en 2, en 3-3. Precision and power. Tout le monde est plein. Monstrous size has no intrinsic merit. Unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Tapisserie. Bon, ça c'est de la merde. Pourquoi vous vous arrêtez? Ah. Oh yes, parfait. Parfait. Gathered close in tenuous firelight, an uneasy companionship. Avec les informations que j'ai recueillies, personne ne prendra par surprise. Nettoyage. J'essaye de faire leur qu'ils font. Alors, donc on va lui mettre ça, faire des gros dégâts. Mon épée, ma fidèle alliée, stoïque face à mon image. Je me sens fort et puissant. Ça se déroule bien, j'avoue, je suis d'accord, les mecs. Ça se déroule très bien pour le moment. J'espère que ça sera pareil pour le boss. The match is struck. A blazing star is born. On changera après le... Ah, attends, tu peux faire un truc avec ça, je crois. J'ai vu la dernière fois, mais j'ai pas grand fait. Je crois qu'en mettant de l'eau bénite, mais ça fout le bordel, non? Debuff, moins 20% dodge. Oh ben putain, non, c'est bon, ça ira. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Bah, tu vas prendre une balle dans la tête. 21 à 40, il y avait écrit pour les dégâts. Ah la vache. On va faire comme ça pour éviter quand même le bordel partout. Putstun. Ah. Fait pas très mal sur les bestioles, je trouve. Je trouve que ces dégâts pourraient être mieux avec le tir. Ok, alors. Halt.
Exactement, halt. Alors ça c'est bon. Ça, ça servira à rien, donc on va mettre la marque. Ça, on peut toucher deux cibles, ça, il peut faire des dégâts aussi. Donc c'est bien. Le stun, ça servira à rien, je crois. Toi, t'es en... Est-ce qu'on a besoin de la protection? Parce que je crois que ça va taper un peu partout. Je suis pas sûr. Parce que j'ai bien envie de mettre ça, à la limite. La vengeance. Genre comme ça. Je pense que ça peut être pas mal. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Let's go. Squirming, contorting and ever expanding. This horror must be unmade. Là, ça commence bien. Donc, faut voir si on peut les stun. On peut les stun. Impressive. Ah, il a beaucoup de protection. Oh la vache. Alors. Ok, ça sera moins la merde. Ah, merci. Alors là, on ferait du 12 à 24. Ouais, c'est ces deux-là là, qui prennent cher. Alors 12. Alors minimum, c'est 12 x 2. Là, ça ferait... 7. Ah non, non, non. Minimum, c'est 12 points. Point barre. Là, ça ferait du 14 minimum. Et ça va sûrement faire plus. Pas mal. Continuer l'infection. Ah, il fait chier lui. Hein. Il fait méga mal. Alors là on a... là on va faire des bons dégâts. Là. Très bien. Là par contre on devrait peut-être stun... Ouais mais non d'accord, j'ai rien dit. 70% de stun. C'est 6 points. En fait, faut empoisonner tout le monde, quoi. Ouais, en fait, faut pas se concentrer que sur les deux, faut empoisonner tout le monde, tout simplement. Eux, ils ont beaucoup de défense. 80. Là, il n'y en a pas beaucoup. Très bien. Il n'y a personne qui veut taper Giant Dad parce que quand même, le mec, il a plein de... d'HP. Ah, très bien.
Voilà, Giant Dad, ouais, c'est bien, il craint rien. Ouh, ouh là là, oh comment ça va faire mal. Oh yes. Ouais ouais, non mais vous avez, vous êtes... Non, vous inquiétez pas. Alors, je vais voir. On va remettre ça. Très bien. On fait quoi? On fait full dégâts. Là, je pense qu'on peut le tuer. Hein. Je crois qu'on peut le tuer. Là, ça ferait du 5 minimum. Si je fais ça, ça fait du 7. Ah, saloperie. T'as de la chance. Hein. Que ça attaque que l'arrière en fait. Et voilà. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Oh, il a dit la phrase les mecs. Oh, il a dit la phrase. Très bien. On va se balader. Ouais, c'était pratique ça. C'est pratique. Alors... on va pas faire le combat parce qu'on a tout... maintenant on a plus que deux combats de buff. Donc on va faire ça, ces deux-là. Là. On va monter et faire tout à gauche. Ben voilà. Wealth beyond measure. Putain. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Évidemment. Ils viennent tous de bouffer, hein, mais non, il faut qu'ils mangent quand même. Magnifique ce jeu. Je suis content, ça s'est super bien passé. On a bien géré... Je crois que ça c'est un buff, ouais c'est un buff. Ouais. On a bien géré le boss, on avait des AOE, ça qui a vraiment marché. Et le fait d'empoisonner plusieurs parties aussi. Tuer toi ou pas. Aïe. Dégueulasse. Oh. Très bien. Faut le soigner lui aussi parce que j'avais un peu oublié.
Oh. Confidence surges as the enemy crumbles. The slow death. Unforeseen. Unforgiving. Ghoulish horrors. Brought low and driven into the mud. C'est quoi ça? Esquive pour homme d'armes, c'est de la merde. In radiance, may we find victory. Chut. Arrêtez de bouffer quand même. Merde, ça. Oh. Putain. Je sais qu'on pousse l'autre, mais c'est pas grave. Là, c'est parfait, on va le tuer. Et du coup, on peut faire ça. Obliterated. Parfait, merci. Je crois que ça se passe bien. Je suis pas sûr. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Merde, j'ai glissé, j'ai tapé le truc. The darkness holds much worse than mere trickery and boogeymen. Ah, les cochons qui gueulent. Une horreur. C'est horrible, on dirait un abattoir. Ah, c'est dégueulasse. Eh ben, ça en fait beaucoup, non? Ça fait plaisir quand ça se produit. Pas mal. Yes! 5-5-5-4, très bien. Alors... Ouais... Au lieu d'épée de la lumière, t'as eu invasion. Inattention, ça c'est horrible par contre. Je vais crash. C'est la deuxième fois que ça me le fait. Je crois que c'est depuis les mods. Mais bon, c'est méga rare. Hein. Je dois être à je sais pas combien d'heures. Ça arrivait deux fois. Quoi. Et ça, c'est depuis que j'ai mis les mods. Donc je peux pas vraiment dire que c'est la faute du jeu. C'est ma faute. Je crois qu'il y a des quand je regardais les commentaires, ça parlait du apparemment il faudrait mettre à jour les mods en truc de lecture ou je sais pas trop quoi, les gens je sais pas de quoi ils parlaient, mais apparemment le jeu a changé à un moment, sûrement avec les derniers DLC. A fresh irritant to some, a sanguine memory to me.
Et pour les mods, ils ont dû changer la façon dont on les fait. For now, carnage calls. C'est que du T0. Bon bah c'est bien passé, je suis content. Alors du coup... Non, ta robustesse, on s'en fout. Donc lui il a un truc bien maintenant, il a évasion. Plus 5. Donc on peut bloquer ça, par contre il a ça, ça c'est une catastrophe. C'est catastrophique ça. Donc évasion et inattention. Très bien. Eh, on commence à avoir pas mal. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Là, toi, ça va. On doit pas avoir un tanière, t'as pas de maladie. Toi, t'as toujours la maladie, par contre. Ok, donc on a de nouveaux personnages niveau 5. Et un 4. Expérience de détermination 50%, putain. Putain, mais à chaque fois qu'il y a un événement, on a un truc qu'on a déjà, comme c'est ouf. Oh ! La cape solaire. Ouh, ça me dit bien ça. Protection esquive. Bah, en gros, tout le temps, parce que nous, on joue avec la lumière allumée. Ça m'intéresse. Ah non ? Ça pas vraiment en fait. Ok, donc c'est du champion. Ah, c'est du champion mais petit. À la limite, ça passe bien. Par contre, je vais juste regarder si on n'a pas. Oh merde, ok, on n'a pas d'argent quoi. Alors, en fait, tout est passé dans lui. Oh là là, catastrophe. Donc, cap solaire, ça m'intéresse. Donc, le wield. Donc, le wield en champion. Donc, déjà, on peut peut-être prendre des niveaux 5. Donc, Gianda, toi par exemple, toi t'es en repos. On va pas prendre du 4, on va prendre du 5, évidemment. Donc, Giant Dad. Attends, déjà, on va retirer les choses. C'est qui d'autre qui est... Toi. Ah, lui, on devrait peut-être lui retirer la syphilis, comme ça, on n'en parle plus. On a que 5000, puis c'est une petite truc. C'était où? C'était là. Cap solaire. Donc, toi, tu peux faire office de DPS, de dégâts tank. Ok. Toi, dégâts aussi. Donc déjà, on a deux choses couvertes. Et maintenant, il faudrait du soin. Du soin, on a. On pourrait prendre quelqu'un avec on peut faire un run argent, un petit run argent. Argent, c'est bien argent. Ah, peut-être ouais avec Gwendoline, parce que comme ça on pull. Ouais, ça. L'attraction en fait sert vraiment si on a un tireur comme devant en fait. Ça fait méga mal, donc on pull, on attrape,
On tire à bout portant et bam, ça explose. Tout le monde meurt. Puis c'est fini. Je trouve que c'est pas mal. Comme ça, ils prendront des niveaux. Ça. Très bien. Table d'esquive et de la protection de base. Là, on peut peut-être enlever ça et mettre la purge à la place. Pour faire des dégâts. Enfin, pour virer les cadavres si besoin, je pense. J'en sais rien. Je dirais pas non pour la protection quand même. L'occultisme, on n'a rien de spécial pour l'occultisme, c'est con ça. J'ai un peu peur de l'esquive moins 8, je vais être honnête. Il risque de prendre cher. Bon, ça devrait aller. On n'a pas d'argent. Ça devrait aller comme ça. Je pense pas qu'on a besoin de faire plus de... Ah, j'ai faim. Plus de... De niveau, d'argent. Je crois que c'est suffisant. Ah merde, c'est où? Non, c'était ça. Ok. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait genre un seul run. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait seulement un seul run. Je sais même plus combien de salles il y a dans un seul run. Je m'en rappelle plus. Enfin, je dis ça, si on en a fait récemment. C'est juste que... Mémoire. Hein. De toute façon, on a plus que 400, c'est bon. On a plus que 400. I knew all these paths once. Now they are as twisted as my own ambitions. 90% des pièces. Oh mon dieu, on a. Ah, attends, j'ai les bonnes habilités. Ouais. Et juste, j'ai en date. Je sais pas si on devrait pas mettre ça plutôt que ça. J'en sais rien. Normalement non. Ah, je peux pas l'attraper. Ouais, je peux pas l'attraper, saloperie. Decimated. Annihilated. Ouais.
ça un peu la merde, dis-moi. Dernier. Oh! These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Alors, sujet saignement, débat sur un fer à... Ouh, c'est pas mal ça! C'est pas mal ça! La version verte là, elle est vraiment bien, je trouve. Parce que le saignement, c'est vrai que quand ça marche pas, c'est horrible hein, en haut niveau. Donc là, c'est pas mal. Puis en plus, les dégâts, si. Ouais, non, ça j'aime bien ça. Ça j'aime bien. Glittering gold, trinkets and baubles. Oh, faut garder une. Faut garder une pelle parce que sinon on va être dans la merde. Absolument garder une pelle. On aurait dû prendre plus de pelle. The light, the promise of safety. Ça c'est quoi? C'est de la nourriture? Carcasse de bête, quelque chose avant d'utiliser cette créature. Ouais, ça c'est pour de la nourriture. Aïe aïe aïe. Carelessness will find no clemency in this place. Non, on va garder le... on va voir quand on revient. Putain, on va avoir assez de torches. Je sens que j'étais un peu léger dans torches en fait. Évidemment, il n'y a qu'une seule marque qu'ils aiment. Hein. Eh oui. Qu'une seule marque. Incroyable. Ringing ears, blurred vision, the end approaches. Disadvantage. Give them no quarter. The wounds of war can be healed, but never hidden. Mon Dieu, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de défense. Mortality clarified in a single strike. Ils me foutent dans la merde d'une force, c'est ouf quoi. Precision and power. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. C'est toujours pas mort. Merci. Eh merde. Oui, il faut qu'on le vire parce qu'il commence à foutre la merde.
Aïe. Exposed to a killing blow. Merci. A devastating blow. Ah, l'infection, c'est une saloperie quand même. Non. Qu'est-ce qu'il prend cher lui? Il a encore pendant 4 tours. Ouais, 3 dégâts, 3 tours, ça va. Mais j'ai que un seul, je crois, antidote. Je ne pense pas capable. Oh mon dieu. Il n'est pas en vie de ouf quand même. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Bon. Là, je crois qu'il y avait encore de la nourriture. Donc, ça va. Un peu chier de lâcher le rubis. Qu'est-ce que ça me fait chier? Il nous faut la pelle parce qu'il y a un obstacle. Il nous faut ça pour récupérer la viande. Quoi le plus intéressant, les pistes, je crois. Non, les contrats. Je crois que c'est les contrats les plus intéressants. Voilà. Là, on est bien. Là, on est encore. Ouais, ça va. C'est un peu chaud. On prend pas mal de dégâts. Ça c'était les bandages, c'est pas grave. Oh, il y a un combat qui vient d'apparaître, fait chier. In Radiance, may we find victory. Je vais être honnête, je suis pas très sûr que ça finisse bien en fait. Eradicated. Là, il faut qu'on soigne à fond en fait. Vraiment qu'on soigne bien là par contre. Là on a une bonne opportunité, on a deux trucs à la con. Their formation is broken. Maintain
Ça, c'est de la merde. Qu'on en finisse avec ces bêtises. T'es sérieux? Viens juste de commencer le combat, quoi. Ah, je fais comment maintenant? Bah merde. Je crois que ça va lui faire stresser, non? Oh non, pas maintenant. Bon, ça va. This expedition at least promises success. Ouais, non, oui, on sait pas encore. Le succès, on sait pas encore. Faut pas avoir de combat aléatoire en fait. 90% des pièces, ça devrait pas être trop compliqué. Oh non! Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. Ça, c'est un peu de la merde. À jouer différemment. A time to perform beyond one's limits. Ah, ici, on aurait dû lui mettre, par exemple, la protection contre les... l'infection et tout ça. Inspiration and improvement. Well struck. Yes. Yes. Non! Non! Oh putain de merde quoi, vous me faites chier. C'est combien de tours l'esquive? C'est 3 tours? Merde. C'est chier lui hein. Faut que je le soigne parce que sinon on va avoir des problèmes. Moins que lui arrive à faire un gros soin. Hein? Ah bah. Allez, faut qu'on les tue là parce qu'on met trop de temps. Putain, les dégâts de merde, quoi, c'est ouf. Ah, t'as pas bougé. Ah, ça aurait été pas mal, hein. Là, je m'étais préparé.
Non. Combat, il dure trop longtemps. Decisive pummeling. Bon, ça va, on reprend le dessus petit à petit. Et voilà. Pourquoi j'ai ouvert ma gueule? Pourquoi j'ai ouvert ma gueule? Faut absolument qu'on tue ce truc, hein. C'est ce machin qui nous tue en fait. Complètement ce machin. Nickel. Such a terrible assault cannot be left unanswered. Ils font tellement mal ici, c'est ouf quand même. Incroyable. Enfin, non, c'est pas qu'ils font tellement mal, c'est qu'ils sont tellement tous de la protection que on peut pas faire grand chose en fait. Faire des critiques à fond, faire saigner, voilà quoi. Bon, plus qu'un. Dix tours, ben putain. Pam 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 pam. 11 tours. Voilà. Oh non. Non, c'est bon. Oh la vache. Machin, quoi. Ah, j'ai du mal avec eux. Non, on a un obstacle. Putain. Aïe. Without tools of iron, you must rely on flesh, an indefatigable purpose.
Dis-moi que c'est fini. Non, sûrement la dernière salle. Oh, comment il est long le couloir. Ah, je l'ai vu venir. Dernière torche. En haut, en bas. Yes, let's go. Oh la vache. Ah, c'était limite limite hein. Là on le voit le coup, on n'a pas d'argent et on y allait un peu trop léger. Putain. Dika, protection esquive. Ah, ça c'est chiant ça. Ça va, ils sont presque 6. Ouais, ça va. Ils sont presque 6 les messieurs. A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. C'est bien passé. Jamais on tombe sur des gens niveau 2. Non, trop demandé. Aïe 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 aïe. Yes, let's go. Donc c'est quoi le mieux? C'est PV ou dégâts? Moi je dirais dégâts. A sharper sword, a stronger shield. Anything to prolong a soldier's life. Très bien. Qu'est-ce que c'est ça? Très rare compétence de soins plus 50% PV max. Ah oui, on avait vu ça sur l'antiquaire. Oui, oui, oui. Ça a l'air pas mal. Genre on pourrait la transformer en soin quoi, parce que 50% c'est quand même pas mal. Non, elle fait 4, on ferait 6. Ça c'est un peu nul, non? Pour le lépreux. Critique et vitesse. Bof. On a récupéré ça ou pas? Oui, on a. Oh, c'est bien ça. Oui, oh là là, arrêtez de me casser les burnes. C'est pas mal ça. Si on fait un lépreux tank là dans le... Là où on était par exemple, avec les vers et tout, plein de... les champignons là, dégueulasses, ça peut aider aussi. Bon, je crois que je vais d'abord faire une pause, parce que j'en peux plus, faut que je mange. J'étais trop concentré dans le jeu, j'aurais dû me faire à manger. Non, ça c'est bien, on a deux capuchons maintenant. Est-ce qu'on a des choses... à virer. Alors ça c'est relou, mais ça peut attendre. Ça c'est bon. Ça va. Les soins reçus c'est toujours un problème. Hein. Il faudrait l'enlever un jour. Alors même ça peut être changé les malus. Okay.
dernier souffle, c'est pas vraiment intéressant. Bon, l'équipe a bien marché. Bon, toi, il faut qu'on te soigne le stress. Bon, après, c'est normal qu'il a stressé à mort. Ah, quoi que non, en fait. Non, non, j'ai rien dit. Non, c'est juste que malchance. Malchance, t'aimes faire quoi dans la vie? Bon, en fait, c'est les deux qui sont embêtants. Parce que quand ici, il passe son tour, honnêtement, c'est catastrophique hein, quand il passe son tour. Mais est-ce qu'on peut bloquer? Enfin, en fait, moi, j'aurais bien voulu avoir quelque chose qu'on peut bloquer. Hein, genre un truc intéressant. Parce que passer son tour, ça peut être la vie et la mort, en fait. De quelqu'un, d'une personne. Ou de lui, même. Donc, j'avoue que c'est un peu dangereux, ça. Pas d'argent. Incroyable. Zéro argent. Faut qu'on fasse un run moyen pour argent, quoi. Ça coûte combien, ça? 3007. Puis en plus, là, on peut monter de niveau les armes et tout. Fais voir un peu qu'on rigole. 4800 pour l'un. Ah, putain. Il va falloir qu'on se concentre sur récupérer de l'argent ou faire des trucs parce que... Giant Dad, ça va. De toute façon, lui, il peut gérer son stress. Ok. Alors, que fait-on? Donc, on a une sorcière avec un objet de merde, encore une fois, c'est super. Je vais voir par niveau. Ouais. Je vais juste m'arrêter faire une pause, mais d'abord, je regarde ce qu'on peut faire. On a un soin, un tank. On a des DPS à monter au niveau 1. Après, il y a ça qui m'intéresse. Et après, le soleil dans les fourrés, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'on peut faire le boss? Non, en fait, pour faire le boss en truc comme ça, là, je voudrais bien pouvoir avoir les armes au niveau 6 aussi. Non, 5, les armes au niveau 5. Genre avoir... Ouais, les trucs augmentés niveau 5. Donc, du coup, il faudrait faire de l'argent. Pour faire de l'argent, c'est un peu compliqué. On a un moyen ici. On a écrit qu'on la fait pas souvent. On a un moyen ici et on a elle. On peut faire un... Non. On peut faire ça. Dépenser de l'argent encore. C'est pas mal. Je sens qu'on va commencer à utiliser le soin. On verra. Toi. Plonger contre les infections. Toi, tu peux mettre l'infection. Ah, quoique, on s'en fout de la plongée contre l'infection. En bas niveau, on s'en tape. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui est pas à jour aussi dans l'équipement. Ouais, elle et elle.
On va vendre des trucs, mais je crois qu'on va faire ça. Pour, juste pour l'argent, en fait. Là, on pourrait faire celui-là, mais c'est long. Donc, argent en long, c'est pas très très intéressant, parce que l'inventaire, il va être blindé, en fait, au bout d'un moment. Mais, enfin, il va être blindé très vite. Il y a que la moyenne. Le cours, c'est pas très bon non plus. On n'arrive pas vraiment à faire du 30 000. En moyen, on arrive à faire du 30 000 d'argent, si on se concentre sur l'argent. Genre vraiment, on prend que argent. Ouais, on peut faire ça. On fera ça la prochaine fois. Ouais, on fera ça la prochaine fois. Enfin, la prochaine fois. Ouais, je vais faire une pause et je continuerai. À tout de suite. Ok, deuxième partie de notre vidéo. Parce que j'ai dû faire une pause. Donc, on s'était préparé pour aller manger. Non, pas manger, non. On s'était préparé pour aller récupérer de l'argent. Argent, c'est bon l'argent. Donc argent. Alors toi, tu as du repérage, ce qui est bien. Ça va nous aider, 20% de repérage. Là, on a empêche les embuscades, donc ça fait 4, 6. Par contre, une équipe comme ça, en fait, elle a... Si on prend un flagellant, ça sert à rien, en fait. Genre de camper, il n'y a rien à faire, en fait. Il n'y a rien d'intéressant à faire pour camper. Ça, c'est bête. Après, j'ai jamais voulu tester, genre, sans... vrai tank. Mais non, mais là, non, on peut pas. Là, il nous faudrait en fait, il nous faudrait genre une furie, à la limite. Ouais. Gal, il peut pas y aller. Parce que si on met ça... Non, on peut faire... En fait, il faudrait quelqu'un qui se mette devant. Mais bon... elle, non, elle peut pas se mettre devant. Non, non, on est obligé de rester comme ça. Alors, par contre, on avait vu... Alors, c'est dans quel sens? C'est elle d'abord ou l'autre d'abord? Parce que là, elle va passer en avant... Je crois que c'est comme ça. Non, 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 non. Non, non, comme ça. Comme ça, on peut toujours faire le... l'esquive. Alors... Merde. Très bien. On va dans la crique. La crique, ça fait méga longtemps qu'on n'y est pas allé. C'est quoi en France? En anglais, pardon. Courtyard, non? La crique, c'est... je sais pas... Non, Will, c'est ça. Désolé, j'ai le wiki là en anglais, c'est relou. Je sais jamais quel endroit en fait. Cove, c'est ça, Cove. Donc ça, c'est avec tous les poissons, ça je m'en rappelle. Les poissons, ils font quoi? Je m'en rappelle plus vraiment. Est-ce qu'on a quelque chose de vraiment très grave avec les poissons? Par contre, il nous faut des pelles. Il nous faut un peu plus de pelles que la normale. Ouais, c'est... L'endroit, en fait, il faut des pelles, il faut... Faut beaucoup d'objets supplémentaires. Ouais, ça c'est un peu le problème. Merde. Je fais exactement les mêmes trucs. Genre, 4 pelles à la limite. Il me faut de l'argent. Attends, on n'avait pas équipé les gens, merde. Oh là là, fait chier. On n'avait pas équipé les gens. Alors, toi. Infection, ça, piège et repérage. Et après, on avait mis du dégât. Critique et dégâts.
Ah oui, ça c'est pas mal. Protection et esquive. Si la lumière elle est supérieure, c'est intéressant ça. Toi déjà on a ça. Oui, non, mais toi c'est comme d'hab. Le problème c'est le stress supplémentaire en fait. Après on peut lui mettre l'anneau mais c'est pareil en fait. C'est 10% de stress. Voilà, tant qu'on met pas 20% ça passe. Du coup, lui, le stress, il s'en fout un peu. Est-ce qu'on a besoin de ça ou pas? Je me rappelle plus les monstres. Est-ce qu'ils font du... Non. Ouais, il y a du saignement à la limite, je crois, mais c'est tout. Ça, ça peut être pas mal. Protection et esquive. Ouais, on fait un peu des tests. On change un peu les choses. On va pas les jouer, on va pas le jouer hardcore lui, donc ça va. Ok, très bien. Ouais, maintenant il faut de l'argent. Ça devrait suffire. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'il y a des trucs avec l'eau bénite? Pas si, mais c'est rare. Ouais, non, c'est surtout les pelles hein, dans celui-là. Surtout les pelles. Ce genre, il y a les coffres à ouvrir avec les pelles et tout. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bon, on y va, on y va. Let's go. Oh, pardon. The smell of rotting fish is almost unbearable. Très bien. Ah oui, c'est ici que j'adore la musique. Ah, la musique elle est cool. C'est bon, on est bon. Oh, le fils de chien. Pas mal. Il nous a contré la mort. Du machin. Tiens, essaye de survivre à ça. Alors, hop. Bam. J'aime beaucoup maintenant son jeu à elle, putain. Je suis très content. Ah voilà, je voulais qu'il ait un peu plus d'esquive en fait. Parce que là, avec ça maintenant, genre protection esquive, donc il monte à 33. Et
Il a 20 de protection avec le buff et tout ça. Ouais, non, c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal du tout. En théorie, on devrait avoir un bon temps. Ça devrait bien se passer, je pense. Toi, tu fais quoi? Je m'en rappelle plus. Ouais, mais il y a lui à tuer parce que sinon il explose. J'avais un peu oublié. Ah, je crois que ça ignore. Ouais, perçage d'armure. Ouais, en fait, c'est pour ça que c'est pas puissant. Maintenant, je viens de comprendre. Parce que ça perce les armures, en fait. Donc, protect, c'est à ignore, c'est ça? Je crois. Ah oui, c'est des horreurs, ici. J'avais oublié. As the fiend falls, a faint hope blossoms. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Ok, il y a encore beaucoup, donc on va pas camper maintenant, parce que j'ai pas envie de... Pas envie d'avoir des mauvaises surprises. Nickel. Yeah. Oh. Oh. Ouais, y a pas trop de trucs très importants. Bon, les arts obscurs, oui, ça peut être un problème. Par contre, la visée infaillible, bah, c'est un peu chiant parce que bon, j'aime bien quand elle fait des crits quand même. Passion pour le meurtre, désir fou d'alcool. Après, c'est des... Ouais, parce que ça, en fait, c'est cher, maintenant. Ouais. Je sais pas si c'était la meilleure des solutions, mais bon. Ah,
juste une seconde, désolé. Désolé, pardon. Je crois que, de base, j'aime pas trop la pieuse de tombe parce que le look en fait qu'elle a, je trouve un peu bête, avec la pickaxe et tout ça, c'est bof. Mais avec avec ça, c'est vachement bien. Oh, ça tue. Ouais, mais il faut venir ici plus souvent. Hein. C'est vrai qu'il y a ça, hein. Faut venir ici plus souvent. Alors, toi, à la limite, on va t'enlever ça. On va t'enlever un piteux. Des monomanies, merde. J'aurais bien voulu que ça soit l'autre. Ah ah! Donc ça... Boum, coup de pelle. Pour l'instant, on va garder. Quoi qu'on va faire ça. On avait dit qu'on faisait argent, mais bon. Si c'est gros argent, quand même. Hein. Après, on a beaucoup de chance de faire du repérage, donc peut-être qu'il y aura des salles secrètes. On va camper au prochain. Ça, c'est quoi? C'est de la nourriture? Non. Oh mon dieu. Ah putain, y'a plein de joyaux quoi. Les bandages, je crois que ça sert à rien les bandages ici. La disparition ninja. Inspiration and improvement. En plus, ça réduit la chance que il touche une autre personne que la personne marquée. Le fait qu'elle soit invisible. On défonce ça. Oh la vache. Ah non, elle est vraiment bien. Vraiment bien, j'aime bien. Ouais, c'est toujours 6 à 11, peu importe la protection. C'est pour ça que c'est intéressant. On va refaire le coup parce que ils ont quand même beaucoup d'HP, je voudrais bien te défoncer lui. Très joli. Compass
Caution is a rarity in the fevered pitch of battle. Press this advantage. Give them no quarter. On est bon. Désolé, je suis lent, je me fais embêter non-stop. Yes! Porte secrète. Donc là, on a un combat. On doit faire quoi, nous? 90% des pièces, donc on peut faire ça, et après le reste, pas besoin. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un combat et on campe là-bas, peut-être? Le mieux, ce serait de camper là-bas, je crois. Alors, les herbes médicinales, je trouve que ça peut être intéressant pour plus d'argent là-dedans. Je pense qu'on va faire ça. J'aurais dû en prendre plus des herbes. Ah, mais on a un sang, faut que je le vire. On n'a pas besoin pour le moment. Putain, qu'est-ce que je kiffe une équipe comme ça en fait. Putain, c'est trop bien. Trop cool. Je veux pas que lui il protège, il va me faire chier. A blazing star is born. Là, doucement, doucement. Ça va, je connais ma cible. Il a plus 150% maintenant. On n'avait pas débloqué, maintenant que j'y pense, une babiole qui augmente ça. Ou c'était peut-être pas pour elle. Je me rappelle plus. Great is the weapon that cuts on its own. Oh. Nickel. Ah, mais j'aurais dû faire un soin plutôt. Et j'aurais dû faire un soin en AOE là plutôt. Quelle merde. Je fais de la merde des fois. Ok, donc on va camper ici, comme ça, ça nous fera de l'espace. A moment of respite, a chance to steel oneself against the coming horrors. Pam pam pam, je regarde les maladies, mais non. Alors, du repérage. Embuscade. C'est vrai que... Ouais, on a des... Non, eux, ils sont très mauvais, en fait, pour camper. On n'a pas de truc intéressant pour camper. Il faudrait un autre tank. Enfin, tank DPS, quoi. Un autre truc. Ça, c'est un compagnon. Ça, c'est tous les compagnons. Il nous reste 3.
provision aléatoire. À la limite, la provision aléatoire. C'est pas mal. Même le sang. Je pensais pas qu'ils allaient pouvoir faire du sang. Je pensais vraiment pas qu'ils allaient. Ils pouvaient faire. Ils pouvaient avoir du sang. Alors ça, c'est quoi? Avec des pelles? Une huître? Qu'est-ce comment on fait? Je pense que c'est pelle. Je vais regarder. On va regarder. Ouais, c'est tel. Ah tiens, on peut avoir un buff d'évasion de 25% avec un biscuit pour chien. C'est marrant ça. Très bien. Il y a le sang. On en a deux de sang, c'est bien, mais... trois cailloux à prendre. On va peut-être d'abord faire ça. Another mariner, another misfortune. Ça, c'est bien le repérage comme ça avec elle. Combat. On aura ça en espace. Ouais, non, ça va. On va le faire. Ah, la musique ici, j'aime bien. On va faire plus de run ici. Pam. A death by inches. Je change ma batterie. Success so clearly in view, or is it merely a trick of the light? Ça, à chaque fois, je les prends au début, puis après, en fait, on les vire parce que ça contient pas assez d'argent. Glittering gold, trinkets and baubles. Paid for in blood. Un piège. Bon. Je crois qu'on va devoir aller à la coffre secret, là, la chambre secrète directe. Ou alors on tente. Je voudrais bien ouvrir la chambre secrète en fait en nuit. Il nous faut 90% des pièces. Mais en fait, du coup, il faudrait revenir en arrière. Hein. Ça va être la merde. Mathieu.
Les mecs, vous venez juste de manger. Oh, ça, c'est débile, ça. Six torches. On va faire ça. C'est moins long déjà. Et ça va nous permettre de refaire de la lumière là. Et on va pas faire le dernier, on va faire là. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Que ça risque d'être un peu limite en fait avec les torches qu'on a. J'ai pas envie de me retrouver en plein dans le noir en fait. Hop, torche. Another one falls. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Je pensais qu'on lui manquait encore une salle, mais ça va. Maintenant, sort ça. En fait, si on fait ça, on va utiliser toutes nos torches. Et après, on va potentiellement marcher dans le noir, en fait. Et marcher dans le noir, c'est pas vraiment une bonne chose. The way is lit. The path is clear. We require only the strength. Parce que j'ai pas envie de me taper le machin qui rôde, là. Putain. Ça fait 3 fois que vous mangez. 4 fois si on compte l'arrêt, en fait. Secrets and wonders can be found in the most tenebrous corners of this place. Nickel. Alors, là on a encore un autre curio, peut-être avancer. Ça peut être tout et n'importe quoi. Antidote, ils ont servi strictement à rien. On a encore de la pelle et une clé. On sait jamais si c'est un coffre. Et là, on fait pareil. And now, the darkness holds dominion. Black as death. Attends. Voilà. Despite its morbid aspect, j'ai pris le papier, je sais pas pourquoi. Twisted cavernous maze seems almost traversable. Bon, bah ça va, c'est... on a fait mieux, hein, mais c'est très potable. Surtout qu'on a vraiment... ça s'est vraiment super bien passé en fait.
Ah là, là, ça, l'art de dégainer. Ça, c'est pas mal, ça. Comme ça, dès le début, elle se cache. Dès le début, elle peut se cacher. Très puissant, ça. A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. Supprimer le syndrome de l'imposteur. Bon, bah voilà. Du coup, c'était ma deuxième partie. Ouais, on va s'arrêter là. Ouais, très content de notre équipe là. Et elle, elle devient de vraiment de plus en plus puissante. Bon, ça sert strictement à rien au naturel. L'art de dégainer, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça, il faut le mettre comme ça. Dès le début, elle peut faire ça. Disparition. Et du coup, moins de chances qu'elle se fasse toucher. Ah, mais zéro, les mecs. Zéro. Forge. La forge. Fouca, ok. Ça marche. C'est pas mal. Équipage ruisselant. Ah putain, c'est vrai que ici on n'a pas fait grand chose en fait. Oh, c'est un nouveau boss. Oh, merde, attends, mais tu peux pas venir du coup. Fais chier. Ah oui, d'accord, c'est vrai qu'il nous manquait des boss. Fais voir là. Abomination. Stress infligé au groupe, moins 40%. Stress de transformation, moins 40%. Ça, ça a l'air pas mal. Bah, on pourrait faire le boss. Comme ça, on les monte niveau 3, là, ces deux-là déjà. Parce qu'elles sont nickel pour le moment. Mais il nous faut quelqu'un. Il faut des gens pour remplacer. Ça, c'est la merde. On n'a plus de soins. Eh merde, fais chier. Zéro soin. Ah merde. Bon bah ces deux là on va pas les monter pour le moment. On va pas les monter. On va attendre de trouver des soins. Et on va faire du vétéran ou champion. Ah c'est vrai que oui regarde, quand on regarde là c'est niveau 6, 4, 5 mais là 3. On en a fait très peu en fait de ce côté là. J'avoue. Après c'était combien pour augmenter les armes au maximum là ? 4800 et on a 30 000 de côté. C'est un peu chaud. In time, you will know the tragic extent of my failings. Il nous faut le stress. Attendez, déjà on va virer ces deux. Sinon dans le roster c'est relou. Alors. Stress. Gwyndoline. 1007. Pareil au même. En fait, là, je crois qu'ils ont une chance de le faire deux fois, là, quand ils font de la méditation. Et après, là, ils ont une chance d'avoir, genre, vision trouble ou un truc comme ça. Pendant une semaine, je pense. Donc en gros, plus ou moins la même chose. Quoique non, à la limite, ils ont trop, c'est moins chiant. Oh là là, j'en sais rien. Il y a combien.
Ouais, on est plus ou moins pareil, c'est juste qu'on a plus d'emplacement. Giant Dad. Giant Dad. Giant Dad. Ah. Fièvre, non, ça va. Toi aussi, ça va pour le moment. Ennui, ça va, y a pas de problème. Rage. Rage est embêtant. Rage est embêtant. Est-ce que ça vaut le coup de faire. D'essayer de faire un boss la prochaine fois. De faire. De faire ça. Parce que là, les fanatiques. Dégâts 25% contre des fanatiques. Je trouve ça sympa, moi. Parce qu'il y a 10, stress moins 10% en plus. Je sais pas ce que c'est, les fanatiques. Croisé. Le seigneur nécromancien. Nécromancien, c'était quoi? C'était le... Ah oui, le mec qui invoque des squelettes et tout ça. Est-ce que notre chevalier, la Pharam, il est bon ou pas? Parce que lui, on voulait le prendre, mais il avait un problème. Ah oui, stress plus 20 contre les impies. Ouais, non, ça c'est la merde. Dégâts dans les ruines. Ah oui, 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 c'est un problème. Bon, après, s'il fait des bons dégâts, ça devrait aller. Mais genre... Comment on fait une équipe, là? Genre... La rage est un problème. Prendre émeralde. Peau dure. Toi, t'as quoi? Intouchable. Et stress. Par contre, il y en a une qui est plus haut niveau, qui a un meilleur équipement en fait. Ouais, du coup, on va te prendre toi plutôt, parce que j'ai pas envie de payer. Bon, lui, c'est pas vraiment un DPS. Est-ce qu'on pourrait faire un jeu comme ça? Parce que je crois bien que le nécromancien, ce qu'il fait, c'est surtout à invoquer des squelettes, si je me rappelle bien du combat. Seigneur nécromancien. Donc du coup, il faut surtout tenir pendant qu'on le défonce. C'est ça le truc, c'est qu'il faut surtout tenir pendant qu'on le défonce. Et honnêtement, le seul moyen de bien tenir, eux, ils sont très bien en fait. Bon, la rage est relou. Lui, il est très résistant, il va buffer tout le monde. On va se reposer, on va avoir dégâts, esquive. Après, il faudra mettre l'embuscade pour éviter de tout problème. Il pourra s'enlever du stress et faire ça à la limite. Et on peut jouer là avec la lance. Ça peut être pas mal. Toi, tu ferais ça. Protection... Le châtiment, l'esquive. Ouais, on changera des habilités et tout ça pour le boss. Mais je pense que là, ça peut être... là, on tient un truc, là.
Là, on tient quelque chose. Du coup, toi, tu nous fais la lance, tu passes devant. Après, lui, derrière, il pourra faire des cris, des buffs et tout ça. Il pourra même faire le châtiment là pour mettre la marque sur lui-même, toujours. le stun pour repasser devant. Comme ça, l'autre, il peut faire la lance encore une fois si on a besoin. Et toi, comme d'habitude, le saignement, en fait, sur le nécromancien. Et après, on va avoir des... Bah, sûrement plein de squelettes. Mais on a déjà des mecs, en fait, qui sont très résistants. Donc, ça devrait bien se passer. Moi, je le vois comme ça, le combat, là. Je le vois bien. Donc, on peut faire le prochain, on peut faire le nécromancien, je crois. Je vais juste regarder s'il y a autre chose à envoyer quelque part. 1700. Je regarde juste s'il n'y a pas des habilités à bloquer ou des trucs à faire. Quelque chose d'intéressant. Ouais, il y a ça. Luminophobie, à la limite, enlever. Alors, il y a juste la luminophobie. Lui aussi, il faudrait commencer à bloquer des habilités. À la limite, je préfère... On peut faire les deux, en fait. J'ai deux places. Endurance max. Compétence à distance. Ouais, mais toi, tu fais pas beaucoup de distance, au final. C'est surtout ça qui fait mal. Donc, PV max, je dis pas non. Et il y en a un qui a luminophobie, je crois que c'est... un qui est par là... Qui c'est qui a de luminophobie? Luminophobie. Mais... Ah! C'est cleaner encore. Ok, cool. De l'argent qui part un peu, mais ça va. Est-ce qu'ils sont équipés? Pas du tout. On les équipera pour la prochaine fois, on fera le boss. Enfin, le nécromancien, sauf si j'ai changé d'avis entre temps. Voilà, on va voir. Je vais aller regarder comment je l'ai combattu et ce qu'il avait fait, mais je crois que c'était des squelettes surtout. Je pense pas qu'il était très très dur. À la prochaine, ciao ciao!